Le 5 mars 1944, au palais de Chaillot à Paris, Léon de Grelle prend la parole au cours d'une manifestation organisée par les Waffen-SS français, la LVF et la milice. Une chevalerie s'est créée au front. Le front, c'est l'école des hommes. C'est là que l'on voit les tempéraments. On nous dira, oui, mais il y a la politique. Justement, nous sommes des soldats politiques. Des masses immenses d'Asie, c'est des masses dont on ne peut rien espérer. Il faut encore les évêques anglicans et les bourgeois bornés pour s'imaginer que l'on a apprivoisé les fonds. Les soldats de Russie auront souffert comme jamais soldats n'ont souffert. Tous les anciens combattants de la Grande Guerre qui sont au front russe sont unanimes pour le dire. Être d'Europe, un Français n'est pas de France seul, un Français est d'Europe. Que demain les Soviets déferlent, que devient la France seule? La France doit comprendre que ce nationalisme de restriction, c'est la caricature du nationalisme. Et voilà, mes chers camarades, pourquoi nous devons être unis. Europe dressée contre le communisme pour défendre notre civilisation, notre patrimoine spirituel et nos vieilles cités. Europe unie, parce que chaque peuple doit mériter sa place.